Bonjour à toutes et à tous. Nous allons étudier aujourd'hui un exercice de trigonométrie portant sur le chapitre 6, donc le chapitre de trigonométrie du programme de première. La valeur exacte de cosinus pi sur 8 est égale à racine carrée de 2 plus racine de 2, le tout sur 2. Calculer la valeur exacte de sinus pi sur 8. On va évidemment partir de la formule fondamentale de la trigonométrie, sinus carré pi sur 8 plus cosinus carré pi sur 8 égale 1, égale donc sinus carré pi sur 8, c'est ce que nous recherchons. On remarque tout de même en passant que pi sur 8 appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, que son sinus est positif. Cela va servir tout à l'heure pour extraire la racine carrée de sinus carré de pi sur 8. Plus, alors je remplace cosinus pi sur 8 par sa valeur, j'élève au carré. Le carré d'une racine, c'est son radicande, c'est-à-dire en l'occurrence 2 plus racine de 2. Le tout divisé par le carré de 2, c'est-à-dire 4. Et le tout vaut 1, mais 1, c'est 4 sur 4. On en déduit facilement l'expression de sinus carré de pi sur 8, puisqu'on transpose à droite l'expression de gauche, ce qui donne 4 moins 2 moins racine de 2, donc 2 moins racine de 2. Le tout sur 4. On n'a plus qu'à extraire. Nous avons évoqué il y a quelques secondes le fait que sinus pi sur 8 est positif, car théoriquement, lorsqu'on a x2 égale petit a étant un nombre strictement positif, on a deux solutions, racine de a et moins racine de a, mais ici on a sinus de pi sur 8 égale donc racine carrée de 2 moins racine de 2, le tout sur 2. Voilà, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo et je vous dis à bientôt.